nous invitons à prier. Tobengi bino na losambo. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. O kombo ya Nzambe, Tata, Mwana pe Molimo Mosanto. Dieu tout-puissant, éternel de gloire et Père d'amour. Tata ya bokasi bonso, Tata ya seko, Tata ya bolingo. Tu es digne de gloire et de notre remerciement. Ozali penza ko bongisama na lokumu pe kopesa mama tondo. Parce que c'est toi qui es le créateur de l'univers et de la terre. Zokande poyo zali mokeli ya mabele pe ya mokili mobimba. Tu es celui en qui nous plaçons toute notre confiance. Ozali moto oyo tozali kopesa makanisi na biso to mitema. Auprès de toi, nous ne manquons de rien. Tu es tellement grand que nous ne saurons te comparer à quelque chose ici-bas. Voilà pourquoi chaque fois que nous avons l'occasion de nous approcher devant ta sainteté, nous venons avec humilité pour démontrer ta gloire, ta grandeur et ta majesté. Nous te disons merci éternel pour cette occasion que tu nous offres dans ta maison. Une fois de plus, tu viens auprès de nous à travers ta parole. Et nous avons besoin de cette parole éternelle. C'est elle qui doit nous éclairer sur le chemin qui doit nous amener auprès de toi. C'est cette parole qui doit nous consoler et nous fortifier. Éternel, manifeste-toi maintenant à travers la puissance de ton esprit. Utilise-nous comme des outils dans ta main pour ce service. Afin que ta volonté soit annoncée à ton peuple. Nous nous remettons tous entre ta main puissante. Nous profitons de cette occasion éternelle pour intercéder en faveur de l'un et de l'autre. Nous pensons particulièrement à tous ceux qui sont malades. Dieu Tout-Puissant, toi qui connais le cas de chacun d'entre eux, étends ta main paternelle, apporte-leur la guérison dont ils ont besoin. Nous prions pour tous ceux qui se sont éloignés de ta grâce. Nous pensons aux orphelins et aux veuves. Et tous ceux qui se retrouvent dans la détresse d'une manière ou d'une autre. S'il te plaît, éternel, soulage leur souffrance par ta grâce. Et qu'ils se sentent aussi aimés et secourus par ta main puissante. Entoure-nous par la protection de tes anges. Fais en sorte que nous te restions fidèles. Et abrège le temps envoie ton Fils. Nous prions pour l'œuvre tout entière. Permets à ce que tous les siens puissent te rester fidèles et que leur foi soit aussi consolidée. En étroite communion avec notre apôtre d'ici et notre apôtre patriarche, accepte que leur prière soit une source de réconfort pour nous. Accomplis pour nous plus ce mieux que nous pouvons exprimer en parole. Exauce nos noms de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur,
Pour ce service divin, nous avons la parole tirée de la seconde épître de Paul à Timothée. Bona losambo oyo tozalina malobe pesa melibiso na mukanda ya mibale ya Timothée au chapitre 2 verset 1. Nanzie na mukapo ya mibale nzela ya moko. Oui, il est dit ceci. Esika ekomami boye. Toi donc mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Bongo yo mwana na ngai bolamu oyo Christo Yesu apesaka yo elendisa yo. Jusqu'ici, prenez place et la chorale peut nous interpréter un cantique. Boye bakozwe sika bongo bayembi ya nzembo bapesa biso nzembo. Bien-aimés en Christ, chers invités. Bandeko balingami katina nkolo pe babiangami. Et vous tous qui avez l'occasion de suivre ce service divin à travers la télévision. Bebino baso boyebi kozua taka ya koyeba kolanda losambo oyo na katikati ya nzela ya bitando mikie. Nous vous souhaitons tous la bienvenue auprès de l'hôtel du Seigneur. Totombele bino baso boyebi bolamu pene pene ya mesa ya nkolo. Lui qui nous donne encore l'occasion de pouvoir partager sa parole. Et c'est pour la énième fois que nous tenons ce service divin dans ces conditions un peu particulières. Mais je pense que pendant toute cette période, nous n'avons manqué de rien pour ce qui concerne la parole de Dieu. Notre apôtre disciple et tous les apôtres ainsi que les évêques ont consenti beaucoup de sacrifices pour que cette parole nous parvienne dans nos maisons. Raison pour laquelle nous remercions notre Père Céleste pour cette occasion. Ici-bas, pour mériter quelque chose, il y a un effort à consentir. C'est ainsi que pour devenir, par exemple, médecin, il y a un long parcours académique et scolaire qu'il faut suivre. Et l'étudiant doit consentir d'énormes sacrifices pour atteindre son objectif. À la fin, on dira qu'il a mérité le diplôme d'être appelé docteur. Il en est de même pour quelqu'un qui veut être juge ou magistrat. Il y a tout un processus académique à suivre. Et cela requiert beaucoup de sacrifices. Au terme de ces sacrifices, on dira qu'il a mérité. Mais lorsque nous regardons la parole qui a été adressée par Paul à Timothée,
Il est question de la grâce. La grâce qui émane de Dieu créateur. Cette grâce qui nous est accordée, nous tous. Mais pour comprendre la grandeur de cette grâce, nous devons tous connaître d'abord ce que c'est la grâce. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Ce n'est pas par l'effort de chacun d'entre nous que nous pouvons dire que nous avons mérité cette grâce. Mais c'est par l'amour de notre Dieu et notre Créateur. Or, cette grâce-là s'est manifestée en trois phases. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'est manifesté en trois étapes. Il s'est présenté d'abord comme Dieu le Créateur, comme Dieu le Fils, comme Dieu le Saint-Esprit. Et à chaque étape, il a apporté une grâce d'une manière ou d'une autre. Et nous devons comprendre que la grâce de Dieu contient des richesses incommensurables. Nous pouvons commencer par le commencement pour comprendre la richesse qu'incarne la grâce de Dieu. Lorsque Dieu a pris la décision de créer, il n'a pas obéi à un ordre quelconque. C'était par sa propre volonté. Et nous savons tous qu'il a créé beaucoup de choses. Que ça soit sur la terre, dans la mer ou dans l'air. Mais au-delà de cette création, Dieu a pris la décision de créer l'homme. Différemment avec les autres créatures, il a dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous pouvons nous poser cette question. Qu'est-ce que toi et qu'est-ce que moi j'ai fait pour être créé homme? À la ressemblance de Dieu créateur. Dieu pouvait me créer même un arbre. Soit une bête sauvage. Soit un poisson dans l'eau. Mais par son amour, il a fait assez que je sois créé homme. Pourquoi nous pouvons dire que notre création en tant qu'homme incarne une richesse? Parce que Dieu nous a promis la félicité éternelle. Nous vivrons éternellement auprès de lui. Même si nous laissons ce corps dans la terre à travers la mort, la promesse de la résurrection est certaine. Et ça, c'est une richesse incommensurable. Que devons-nous faire maintenant à travers cette richesse, à travers cette grâce que Dieu nous a faite? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons tout faire pour garder la communion avec notre Créateur. Mais comment garder cette communion éternelle avec Dieu? Pour bien comprendre cet aspect des choses, il faut jeter un regard rétrospectif dans le jardin. Adam et Ève étaient en communion avec leur Créateur. Mais qu'est-ce qui a fait que cette communion
communion soit rompue. Et l'obonini est cela qui a solé te bomoko yo ekatana. C'est lorsqu'ils ont désobéi à la loi de l'Éternel. Tango bakokai koto salisu soutie mibe koto mikano ya mokeli na biso. Bien aimé en Christ, bande kona ngaikati nankolo. Il en est de même pour nous. Si nous voulons demeurer dans la communion avec notre Créateur, faisons un effort pour respecter ses commandements. C'est à cet effet que nous demeurerons dans la communion avec notre Dieu. Passons à la deuxième manifestation de notre Dieu dans sa grâce. Cette grâce s'est manifestée à travers l'envoi de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Il est venu comme le libérateur. Pourquoi? Parce que l'homme était tombé dans le péché. Et il s'était éloigné de son Dieu créateur. Le Seigneur Jésus, par son amour, il est venu et il a sacrifié sa vie pour le pardon de ton péché et pour le pardon de mon péché. Beaucoup de personnes vivent ici-bas. Elles ne savent pas que le péché amène à la mort. Elles ne savent pas que le péché peut empêcher à ce que nous héritions le royaume à venir. Et ces personnes vivent comme des animaux. Et toi, tu as reçu cette promesse-là de la vie éternelle. Et tu sais que si tu places ta confiance en notre Seigneur Jésus, par grâce, tu vas hériter le royaume à venir. Voilà encore une richesse de plus qui est dans la grâce de notre Dieu. Et le Seigneur Jésus, en envoyant ses apôtres, il a dit ceci: ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Mais bien aimé en Christ, pour bénéficier du pardon des péchés, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en ses envoyés. Il faut venir auprès de lui avec un cœur repentant. Et il n'y a que sa parole qui peut nous éclairer et nous donner cette force. Ceci nous pousse à placer toute notre confiance en notre Seigneur Jésus. Et à travers le mérite de Christ, nous recevons les dons du Saint-Esprit à travers l'œuvre apostolique. À travers l'œuvre des apôtres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous dans la maison de Dieu. Chacun a reçu un don particulier. Il y a ceux qui ont reçu le don de proclamer l'évangile. D'autres ont reçu le don de pouvoir chanter dans la maison de Dieu. D'autres ont reçu des divers dons que nous ne saurons pas étaler. Qu'avons-nous fait pour avoir ces dons? Il n'y a pas eu un test sélectif qui a été posé. Même nous qui avons reçu le don ministériel, ce n'est pas par un mérite quelconque, mais c'est par grâce. Est-ce que nous pouvons comprendre que notre Dieu est grand dans sa grandeur et dans sa grâce? De nous prendre où nous étions et de nous rendre utiles pour notre frère et pour notre sœur. Dieu
demeurons dans cet amour que Dieu nous a témoigné. Et utilisons cette grâce afin que les autres en profitent aussi. Terminons avec la dernière manifestation du Dieu créateur. Dieu s'est manifesté par l'envoi du Saint-Esprit. Et par la promesse de l'envoi de l'Esprit, notre Seigneur Jésus dit ceci. Je vous enverrai le Consolateur. Lorsque celui-là viendra, il vous annoncera des choses à venir. Mais bien aimé en Christ, combien de personnes ne savent pas que le Seigneur Jésus reviendra? Combien de personnes ne savent pas qu'il y aura la résurrection des morts? Toi, tu as eu cette grâce de connaître tous ces mystères cachés. C'est une richesse que nous ne pouvons comparer à quelque chose ici-bas. Et à travers l'activité du Saint-Esprit, notre foi est réconfortée. Nous avons la consolation à tout moment. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Et il nous arrive des fois des péchés malgré nous. Mais l'activité du Saint-Esprit nous amène aussi le pardon des péchés. Nous ne pouvons pas être inquiétés de ce que nous vivons. L'apôtre patriarche dit, Thomas Mokonzi alobi, tant que nous serons ici-bas, il est possible que chacun de nous trébuche. Mais nous pouvons peut-être regretter notre comportement. Professer notre péché devant notre Dieu avec un cœur repentant. Et Dieu sera toujours disposé à nous recevoir. Et nous donner les nouvelles forces pour un bon et nouveau départ. Ça, ce sont des richesses qui incarnent la grâce de Dieu. Notre devoir est de faire en sorte que nous restions auprès du Seigneur. Même si nous ne comprenons pas maintenant son agir, restons fidèles et nous aurons la victoire lors de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour ce service divin, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par notre évêque Nzaki Mwena. Nous l'invitons à pouvoir nous adresser quelques pensées de son cœur. Et la chorale peut nous interpréter un morceau.
chère assemblée si présente, nous avons le devoir de dire merci à notre Père Céleste à travers notre apôtre. La parole nous concerne tous. Notre apôtre nous a parlé de la grâce que Dieu donne à tout un chacun. Il a bien souligné que chacun a cette grâce. Sauf que c'est de la manière où tout un chacun va définir la grâce. De l'importance que chacun doit accorder à cette grâce. Les autres peuvent dire, est-ce que réellement la grâce de Dieu existe? En cet moment de difficultés énormes, peut-être les foyers sont séparés, les emplois sont fermés, les commerces ne marchent pas. Pourquoi on peut parler de la grâce de Dieu? Mais notre apôtre vient de souligner que chacun a cette grâce. C'est mieux que chacun creuse, fouille encore, il va trouver qu'il a la grâce de Dieu. Et ce n'est pas qu'à cause des difficultés que nous vivons dans ce monde que la grâce de Dieu ne sera pas avec nous. À l'instar de notre apôtre Paul, il a aussi vécu des moments difficiles avec les charges dans son corps. Il avait aussi besoin d'un soulagement. Il a demandé à Dieu s'il peut lui guérir de ça. Mais Dieu ne lui a pas guéri, mais lui a dit, ma grâce te suffit. Il est malade, il demande une guérison, mais on lui dit sa grâce, ma grâce te suffit. C'est que Dieu avait un autre projet pour Paul, à part sa maladie charnelle. Et qu'allons dire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu comme Dieu sur terre, avec toute la puissance divine. Mais il a vécu des moments difficiles. Et à un certain moment, il a demandé à Dieu aussi peut écarter cette coupe amère devant lui. Mais voyant la grâce qui était en lui, il a vite dit non, que ma volonté ne se fasse pas, que la tienne. Alors chers frères et sœurs, dans les moments difficiles, la grâce de Dieu ne s'écarte pas de nous. Imaginez, pour ceux qui ne pensent pas qu'il y a la grâce, la créature humaine que nous sommes, personne ne peut créer quelque chose. L'homme fabrique mais il ne crée pas. Moto mokote akoki kokela. Moto azala kana likanisi ya kokangisa kangisa biloko mais akoki kokela te. Mais malgré les difficultés que tu vis, Dieu t'a créé à son image. Atako pasi to minyoko nzambe ayeba kokela yone lilingi na ye. Il t'a créé comme enfant avec un projet. Akela yo de malheur. Akela yo lokola mwana na makambo na lolenge na ye. C'est pour cela, chers frères et sœurs, restons unis à notre Père Céleste. Nous aurons une grâce qui sera une grâce infinie. Cette grâce-là, c'est de vivre avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. N'golu na ye pona ngai ezalaki penza ya pambate.
C'est ainsi que l'apôtre Paul a écrit encore en son temps. Pourquoi il avait dit ça? Au début, il était un persécuteur. Mais lorsque Dieu lui a fait grâce de connaître Jésus-Christ, il avait pris fait et cause pour son Seigneur. C'est ainsi qu'il avait consenti beaucoup de sacrifices pour que l'œuvre de Dieu soit répandue partout. Mais bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous pouvons apprécier la grâce de notre Dieu à sa juste valeur? Nous vivons peut-être dans ce monde où on se dit ce n'est pas facile de vivre comme Dieu ou comme notre Seigneur Jésus le veut. Au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre, les transgressions par-ci par-là, et tout ça, ça peut nous affaiblir pour dire est-ce que réellement nous allons avoir la possibilité de vaincre? Et notre apôtre patriarche dit ceci: ne vous en faites pas, même si le diable peut avoir des petites victoires ça et là, à la fin de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus qui va vaincre. Il va nous permettre d'être des héritiers auprès de lui. Voilà pourquoi nous avons ce devoir de faire une autocritique à travers cette grâce que Dieu nous a faite. En quoi cette grâce nous sert? Est-ce qu'elle nous permet d'acquérir de nouvelles forces pour continuer notre combat contre le mal? Parce qu'à travers la parole, toutes les forces nécessaires. Et le plus grand problème réside en chacun d'entre nous. Comment il utilise cette force qu'incarne la parole de Dieu pour vaincre le mal? Et c'est à ces conditions que nous serons obligés de venir auprès de notre Dieu avec un cœur repentant. À travers le pardon des péchés, nous acquérons encore de nouvelles capacités pour un nouveau départ. Et la dernière richesse de cette grâce, c'est de vivre éternellement auprès de notre Dieu. C'est ça l'objectif de notre foi. Que le Seigneur nous y aide afin que nous soyons acceptés dignes dans son royaume. Et que ces paroles nous réconfortent aujourd'hui à jamais. Amen. Amen. Pour nous préparer au pardon des péchés, nous demandons à ce que la chorale nous interprète le cantique de repentance.
Nous vous invitons à présent à vous mettre debout pour que nous puissions tous prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. À présent, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Bon Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons une fois de plus devant ta sainteté avec humilité pour pouvoir te louer et te glorifier. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite d'être compté parmi ton peuple et tes serviteurs. Merci pour le pardon des péchés que tu viens de proclamer en cet instant. Nous sommes reconnaissants au sacrifice suprême de ton Fils. C'est ce sacrifice qui nous approche de ta proximité. Accepte que chacun d'entre nous ait une pensée pieuse pour ce sacrifice. Nous intercédons en faveur de l'œuvre tout entière. Accepte de préserver la foi de tes enfants et de nous accorder l'opportunité de pouvoir vivre ce royaume à venir. Nous te disons merci pour l'œuvre apostolique. À travers celle-ci, nous te disons merci pour l'apôtre d'Issyque et l'apôtre patriarche que tu nous as donné. Merci pour tous les apôtres et tous les serviteurs qui les soutiennent. Garde-nous dans cette unité et permet à ce que chacun de nous puisse vivre ce jour merveilleux. Abrège le temps envers ton Fils et accomplis plus ce mieux que nous pouvons exprimer en parole. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. À travers une courte prière, nous pouvons terminer ce service divin. Bon et tendre Père Céleste, Éternel Tout-Puissant, Tata, malamu penza pe moyenge beni ya seko. Nous voici arrivés au terme de ce service divin. Tala sikato komina suka ya losambo ya lelo. Tu nous as donné ta parole et le pardon des péchés. Opesi biso liloba na yo pe bolimbisi ya masumu. Ce sont des bienfaits que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. Ezali penza bolamo et tokoki kozwa ngwe sika mosusu te. Nous te disons merci Éternel pour l'apôtre d'Issyque et pour l'apôtre patriarche que tu nous as donné. Topesi yo matondo mingi pona ntoma ya district. Merci aussi pour tous les bien-aimés qui ne cessent de soutenir ton œuvre. Accepte maintenant les offrandes de tes enfants et leurs œuvres de sacrifice. Bénis l'Éternel au centuple. Pambola bango penza na mukama na mukama. Et permet à ce que ton œuvre puisse être édifiée à travers ce sacrifice. Salana lolenga nyoso pwete musala na yo ekila eyeba kobongisa mapenza na nzela ya bokabami oyo. Accorde-nous maintenant la protection de tes anges sur le chemin de retour. Pesa biso lisalisi ya banje nuna nzela ya bozongi.
Nous prions, Éternel, pour la reprise des activités dans ta maison. Que tes anges soient aux côtés de tes serviteurs afin que aucun mal ne puisse arriver. Nous prions aussi pour les dirigeants de ce pays. Conduis-leur dans ta grâce et dans ta sagesse. Et permets à ce qu'ils prennent des décisions pouvant permettre à ce que le pays vive dans la paix et dans la sécurité. Étends ta main paternelle sur toutes les familles de tes enfants. Accorde-leur au-delà de ce qu'elles peuvent exprimer. Bénis les préparatifs en marge de la visite de l'apôtre patriarche. Ouvre la voie pour que la réussite soit au rendez-vous. En communion étroite avec notre apôtre district et notre apôtre patriarche, fais plus ce mieux que nous pouvons exprimer en parole. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Bonzenga ya nkolo Yesu, bolingo ya nzambe tata, pebo kangamina molimo mosanto, etika la rabino baso lelo kino seko. Amen. Voici au terme de notre service divin. Veuillez reprendre place et que la chorale nous interprète un morceau de clôture. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons la circulaire qui nous est adressée par notre apôtre district relative à la reprise des activités dans nos communautés. Donc voici la teneur. Chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste qui a pris soin de nos âmes durant les mois passés. Nous sommes nombreux à avoir bien apprécié d'être servis par sa parole virtuellement. Dans le confort de nos foyers. Rien ne peut remplacer cependant la pleine expérience d'un service divin. Nous avons soif de rentrer dans notre communauté pour célébrer la Sainte Cène là où c'est permis. Et de vivre l'intense communion avec notre Seigneur et avec nos frères et sœurs. À moins de circonstances imprévisibles,
Les services divins dominicaux en personne reprendront le dimanche 16 août 2020. Le sambo yabiso mokolo yenga sengeli kozonga na mokolo ya le 16 août 2020. Nous voulons nous préparer pour le retour dans nos communautés et partager avec vous quelques mesures nécessaires pour assurer la sécurité de chacun. Tolingiko kabolana bino ndambo ya makanisi pona koebande ko batela maya moko na moko. Veuillez prendre note des directives suivantes. Malamubo yeba kokoma maye kozelingi kolobasika. Veuillez vous abstenir de fréquenter les services divins en personne si vous avez des symptômes de maladie. Koyananda konanzambete soki bilembo ya bokono ezali komonisa manakati na yo. Ou si vous faites partie des groupes à risque pour raison médicale ou d'âge. Soki ozali mokolo tope ozali na molongo ya baye bakoki kokweisa manoki noki nde na bokono wana. Les services divins dominicaux en ligne continuent d'être assurés. Zokande lo sambo ekoba nde kokoba na nzela ya singa. Et sont une bonne alternative pour les malades. Yango ezali lisalisi mingi pona bato na bokono. Ceux qui font partie des groupes à risque ainsi que pour ceux qui ne seraient pas confortables de vivre un service divin en personne en ce moment. Baye bakoki kozala na molongo ya bato na bokono tope baye bamoniete bakoki nano koyana ndako na nzambe te. Selon les mesures préconisées par le gouvernement, nous respectons les règles de distanciation physique, 1,5 mètre. Tozali kotosa mibeko ya mbula matadi kozala mosika na mosusu na 1 mètre na ndambu. Depuis notre arrivée à l'église, lorsque nous entrons dans l'église lors des déplacements ou au sein de l'église, lorsque nous sommes assis et lorsque nous quittons l'église, les membres d'une même famille sont permis de se déplacer et de s'asseoir ensemble. Il n'est pas permis de se rassembler dans les espaces communs. Par exemple, devant l'église ou à l'hôtel, ni avant ni après le service divin. Les masques de protection sont obligatoires. Sauf pour les petits enfants de moins de 2 ans. Nous recommandons que chacun apporte son propre gel désinfectant de poche et masque de protection à l'église. Selon les réglementations locales, le masque devra être porté pendant le service divin. Lors de la prière de notre Père, de la célébration de la Sainte Cène ou lors de chaque déplacement. Il n'est pas permis de chanter un instrument ou soliste fera le nécessaire. En raison des règles de distanciation physique, la capacité d'accueil de notre église est restreinte. Lisanga lolenge ya bato ya koya na kata na ndako na nzambe ezokoma moke. Le nombre de participants est trop élevé par rapport au nombre de places. Il est important de communiquer votre intention de participer au service divin en personne à votre responsable de communauté. Ou à votre prêtre de quartier.
afin de leur permettre d'assurer une bonne planification. Vous serez accueillis par le service d'ordre. Veuillez suivre leurs consignes car ils assurent un rôle important et vous assisteront dans l'implantation de ces mesures. Chers parents, il est important d'accompagner vos enfants à tout moment afin d'assurer qu'ils sont confortables. Qu'ils respectent les directives et pour la sécurité de chacun. Veuillez arriver à l'église plus tôt afin de vous permettre de vous recueillir calmement avant le début du service divin. Veuillez vous familiariser avec la fiche ci-jointe qui détaille les directives à suivre. Unissons-nous dans la prière pour un retour à la maison bienheureux et harmonieux au sein de notre communauté. Votre apôtre district, Michel Depner. Voilà, c'est la fin de cette circulaire. Desuka ya sangoy. Thank you.